Coucou Seba, le jour 5 pour l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Nocibé Prestige, Marionneau et Maxel Mort de chez Action. Alors on va ouvrir la case numéro 5. Il s'ouvre facilement celui-là. Un peu plus dur à le sortir. Ah ben c'est super, une petite eau micellaire, démaquillante, petit format, hein. Je ne sais pas combien il y a de millilitres. 30 millilitres, donc ça va. Hein. Pour un petit week-end, ben, parfait. Très contente. Vous remontre. Visage et yeux en plus, donc parfait. Ensuite, la case numéro 5 de mon Marionneau. Ah ben, elle tenait pas bien celle-là. Ah, un petit coton démaquillant, mais alors il est d'une douceur, j'adore. Très très doux. J'aime beaucoup. J'en ai que quelques-uns, mais que des très doux. Donc bah, il ira bien dans la collection. Parfait. Et la case numéro 5. Il est très très dur. C'est le gros effort pour l'ouvrir celui-là. Pas si je vais y arriver comme ça, s'il faut que je prenne le ciseau. Qu'est-ce qu'on a en numéro 5? Ah! Une fameuse lime à ongles. Toute grise. Ok. Voilà, ben ma case numéro 5, un petit coton démaquillant chez Marionneau, super super doux. Où on met les doigts dedans, carrément, j'aime bien. Une lime à ongles de base, hein, toute simple, pour celui de Maxel Mort de chez Action. Et une petite eau micellaire démaquillante, visage et yeux, chez Nocibé. Ben, écoutez, plutôt sympa cette petite case numéro 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu fatiguée, j'ai une crève, je pense que vous l'entendez. Une crève horrible qui a du mal à partir. Voilà, et eh bien écoutez, à demain pour la suite. Gros bisous, c'était Valérie. N'hésitez pas à liker, à commenter et abonnez-vous. Gros bisous, merci.